Les disciplines les plus spectaculaires de la gym chez les dames, parce que la poutre, c'est très risqué, mais c'est aux asymétriques que l'on évolue le plus avec vitesse, virtuosité et dynamisme. Et la première candidate est l'Espagnole Elisabeth Vallée, qui a remporté la médaille d'or du concours général, devant Marie-Angeline Colson et Éléonore Couff. Oui, un agrès très apprécié en principe, elle se rapproche beaucoup de la barre fixe. On a vu ici, sur cette barre supérieure, elle venait d'effectuer un lâcher de barre par demi-tour, exactement comme les garçons. Voilà, un autre demi-tour, ici un enchaînement pour passer à la barre inférieure, une bascule. On repasse à la barre supérieure pour préparer la finale de l'exercice. Grand tour soleil, deuxième grand tour soleil, et la sortie double salto arrière tendue. C'est bien, la part de Elisabeth Vallée qui s'est distinguée au saut de cheval plus particulièrement, mais qui obtient donc la médaille d'or de ce concours général aux Jeux méditerranéens. Et derrière, eh bien, au sol, nous avons le plaisir, après ce ralenti et ce double salto tendu,